Tu n'arrives pas à perdre du poids malgré tes efforts? Tu es dans la bonne vidéo, reste avec moi. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler de 5 choses qu'il faut impérativement arrêter de faire si vous avez envie de perdre du poids. On entend tellement de choses sur les réseaux sociaux, sur internet, etc. On ne sait plus ce qu'on doit faire. Alors les choses que je vais vous énumérer, c'est des choses que je faisais aussi par le passé, mais qu'aujourd'hui évidemment je ne fais plus et j'en vois les bienfaits et j'en vois les résultats et je me sens beaucoup mieux aujourd'hui. Je vais pas faire une intro de 50 heures, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet et on va commencer avec la première chose à ne surtout pas faire. La première chose, c'est arrêter de réduire drastiquement vos apports caloriques. Le corps est très bien fait, vous le savez, il va très vite s'habituer à cet apport calorique que vous allez lui donner. Donc si vous réduisez trop les calories par jour, eh bien il va s'habituer à ça. Et du coup, au moindre excès, le corps va tout de suite stocker. Évidemment que pour perdre du poids, il faut réduire ses calories, mais il faut rester raisonnable. Donc si vous aviez l'habitude de prendre 1800 calories, ne descendez pas à 1000 calories. Parce qu'à un moment donné, votre corps il va s'habituer, après vous allez descendre à quoi? 500? C'est pas possible. Donc il faut rester raisonnable. C'est pour ça qu'on dit lentement mais sûrement. Vaut mieux maigrir plus lentement, mais vous aurez maigri à long terme. Si vous maigrissez trop vite, eh bien vous allez reprendre les kilos perdus fatalement. Donc si vous étiez à 1800, 1900 ou même 2000 calories, je pense que si vous descendez à 1500, 1600 calories, ça reste raisonnable. Et aussi, réduire drastiquement ces calories, c'est égal à être frustré. Vous allez être clairement frustré au bout de quelques jours. Et en même temps, vous risquez de développer un trouble du comportement alimentaire en faisant ça. Donc surtout, ne réduisez pas drastiquement vos calories, restez raisonnable. Deuxième chose à ne pas faire, c'est de bannir des aliments. Parce que quand vous bannissez des aliments, ce sont clairement des aliments que vous aimez. Du coup, encore une fois, vous allez très vite frustré de ne pas pouvoir manger. Ça peut aussi vous isoler parce que vous allez éviter d'aller à certains endroits, à des événements, à des soirées, à des ceci, des cela, parce que vous avez peur de craquer. Ça peut également aussi vous développer des troubles du comportement alimentaire. Et si quand bien même vous dites non, moi je vais résister, je sors quand même, vous allez vraiment être celle qui non, moi je mange pas, moi je mange rien, moi je mange pas ceci, je mange pas cela. Et ça vous met aussi vous-même mal à l'aise de devoir tout refuser en fait. On ne bannit aucun aliment, mais on reste raisonnable. Donc si vous avez absolument envie de manger un petit morceau de gâteau ou un petit bout de chocolat, faites-le. Ça va pas vous tuer, mais ne le faites pas tous les jours. Hein, voilà, une fois toutes les deux semaines, vous mangez un petit morceau de gâteau ou vous mangez une fois une portion de frites, ça va pas vous tuer. Donc, mangez de tout, mais restez raisonnable. C'est ça le truc. Alors, troisième chose à arrêter de faire, c'est d'essayer d'entamer une sèche alors que votre métabolisme est à plat. Surtout à cause que vous avez réduit drastiquement vos calories, par exemple. Si vous entamez une sèche et que vous avez déjà un métabolisme lent, eh bien, votre sport va vous servir à rien parce que vous n'allez rien développer, parce que vous n'allez pas nourrir votre muscle. Dans ce cas-là, ce qui est intéressant de faire, c'est de plutôt vous concentrer sur le fait d'augmenter son métabolisme en faisant de la musculation. Ce qui, à long terme, vous fera perdre du gras tout en ayant un corps musclé, ferme et tonique. Et la graisse, à un moment donné, vous la perdrez. Du coup, j'enchaîne avec la chose qu'il faut absolument arrêter, surtout de croire, c'est de ne pas charger en musculation de peur de devenir trop massive. Je me souviens tout au début, quand j'ai commencé le sport avec ma coach, elle me disait, bon, on va charger en muscu, et j'arrêtais pas de lui dire, non, 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 moi je veux pas gonfler, moi mes muscles ils gonflent vite, je vais devenir trop massive, etc. Et elle me disait tout le temps, mais rien à voir. Et c'est vrai, je lui ai fait confiance, et j'ai suivi son programme, et sincèrement, je suis jamais devenue comme un homme, hein. Je suis toujours restée femme. Par contre, oui, j'ai pris du muscle, mais j'étais bien dessinée, j'étais pas massive du tout, mais vraiment pas. Si vous avez envie d'être dessiné, d'être ferme, tonique, etc., il faut charger en masse. Désolé pour la lumière, le soleil, encore une fois, il fait sa life. Ce que je disais, je sais plus. Oui, vous n'allez jamais progresser. Si vous voulez sculpter votre corps, vous devez augmenter vos charges. Il n'y a pas d'autre solution. Et la cinquième chose que vous devez absolument arrêter de faire aussi, c'est de faire du cardio après votre séance de musculation. Parce que quand vous faites une séance de musculation, votre corps a besoin de récupérer et de nourrir votre muscle. Si, pour le peu d'énergie qui vous reste, vous faites du cardio avec ça, eh bien votre corps n'aura plus de quoi faire la récupération. Donc il faut absolument se reposer après.
Par contre, évidemment, je ne vous dis pas de ne jamais faire de cardio. Au contraire, c'est bien de faire du cardio, mais faites-le en dehors de vos séances de musculation. Donc, choisissez un jour dans votre semaine où vous allez ne faire que du cardio. Voilà, c'était les 5 choses à ne pas faire, mais j'en ai une petite sixième pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Arrêtez de croire que le jeûne intermittent, c'est un régime. Le jeûne intermittent, ce n'est absolument pas un régime, mais vraiment pas. Par contre, oui, ça vous permet de perdre du poids, ça c'est garanti, mais ce n'est pas un régime. Quand vous faites le jeûne intermittent, par exemple si votre apport calorique est de 1500 calories, eh bien vous devez consommer vos 1500 calories, mais dans une plus petite tranche d'heure. Après, si vous voulez plus de détails sur le jeûne intermittent qui fonctionne au top, j'ai encore deux personnes dans mon entourage qui m'en ont parlé récemment, on me dit « j'ai remarqué qu'ils avaient perdu du poids », je me dis « waouh, qu'est-ce que t'as fait ?» Eh bien, elle dit « j'ai commencé le jeûne intermittent ». Donc le jeûne intermittent, ça marche les gars, ça va déstocker votre gras, c'est ce que je fais depuis des années. Je ne fais pas ça H24, il y a des jours où je ne le fais pas, j'ai quand même majoritairement cette habitude de le faire, donc voilà. Voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris quelque chose. C'est pour ça qu'on est sur YouTube, hein, pour partager nos connaissances. Hein, voilà. Alors n'oubliez pas de liker ma vidéo si elle vous a plu et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas la petite cloche. Et venez également me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram et TikTok, Tassi Suzanne. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. If you don't...